travaillé à l'usine pendant 20 ans sur des machines. À deux mots, je vais vous expliquer le genre de gars que j'ai rencontré. L'usine, j'ai comme à l'armée, il y a les bosseurs, il y a les planqués. Et comme chez le chef qui les choisit, il vaut mieux être bien avec lui. Il y a Ch'ti qui ne fait rien dès le journée, et le soir il dit qu'il est crevé. Quand il a un go dessus un front, j'ai sûrement pas de transpiration. Il y a Ch'ti qui ne sait pas travailler, chez lui le premier à critiquer. Et le seul faut qu'il salisse ses mains, chez quand est le patron y est dans le coin. Chez Cha il travaille à l'usine. Chez Cha il travaille à l'usine. Un irin compte des tas de bonhommes, des vieux, des grands, des vieux, des drôles, des prétentieux et des minteux, des ronchons et puis des comiques, des cons et puis des sympathiques. Chez Cha, elle travaille à l'usine. Y'a le chef qui n'arrête pas de gueuler pour un oui ou bien pour un non. Je l'ai souvent, j'ai remarqué, ils sont pas maîtres à l'humaison. Y'a Ch'ti qui s'amène le matin avec deux, trois folles dans ses mains. Quand tes journées, elle est finie, si seul y'a tout dit, rien d'écrit. Chez Cha, elle travaille à l'usine. Chez Cha, elle travaille à l'usine. Un irin compte des tas de bonhommes, des vieux, des grands, des bio, des drôles, des prétentieux et des minteux, des ronchons et puis des comiques, des cons et puis des sympathiques. Chez Cha, elle travaille à l'usine. Y'en a pour eux pouvoir dormir tous les soirs après le boulot. Ils s'en vont faire de la gymnastique, de la course à pied ou du vélo. Je sais pas que le travail nous fait peur, mais nous autres après nos 8 heures, on est bien content et de rentrer et de mettre nos pantoufles à nos pieds. Chez Cha, elle travaille à l'usine. Chez Cha, elle travaille à l'usine. Annie raconte des tas de bonhommes, des vieux, des grands, des vieux, des drôles, des prétentieux et des minteux, des ronchons et puis des comiques, des cons et puis des sympathiques. Chez Cha, elle travaille à l'usine. Chez Cha, elle travaille à l'usine. Chez Cha, elle travaille à l'usine. Pour tous ceux qui s'en reconnaîtront, quand ils vont écouter le canchon, y en a certains, ils souriront. Mais pour les autres qui seront vexés, j'avoue qu'il y a des vérités qui sont pas bonnes. J'ai travaillé à l'usine pendant 20 ans sur des machines. À deux mots, je vais vous expliquer le genre de gars que j'ai rencontré. L'usine, j'ai comme à l'armée, il y a les bosseurs, il y a les planqués. Et comme chez le chef qui les choisit, il vaut mieux être bien avec lui. Il y a Ch'ti qui ne fait rien dès le journée, et le soir il dit qu'il est crevé. Quand il a un go dessus un front, j'ai sûrement pas de transpiration. Il y a Ch'ti qui ne sait pas travailler, chez lui le premier à critiquer. Et le seul faut qu'il salisse ses mains, chez quand est le patron y est dans le coin. Chez Cha, il travaille à l'usine. Chez Cha, chez Cha, chez Cha.